Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez reconnu le grand sourire sur le carton. Donc c'est un haul Amazon. Voilà, que j'ai reçu en deux fois. Donc une première partie ici que vous verrez après. Voilà. Et une partie ici que j'ai reçue aujourd'hui. Voilà. Donc c'est cette partie-là qu'on va voir en premier. Donc je vais mettre ça sur le côté, vous verrez après. Je vais mettre ça là-bas. Il va me falloir de la place. Alors, j'ai juste ouvert les cartons. Je dis les parce qu'il y en a deux. Donc celui-là. Pour vous montrer comment c'était bien emballé. Voilà. Le deuxième. Je n'en ai pas sorti. Hop. Ah oui, pour être emballé, il a été emballé. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. On enlève. Donc voilà le deuxième carton. Donc dans ce carton, il y a encore des cartons. il y a surtout, donc, je pose, voilà, il faut de la place aujourd'hui. Il y a d'abord un polystyrène. Côté emballage, je vous dis, il n'y a vraiment aucun problème. Hop. Voilà, le polystyrène, je l'enlève. Et on découvre. Je mets le polystyrène parce que je vais en avoir partout dans la maison. Hop. Notre première boîte. Alors, je regarde si vous me voyez. Oui, vous voyez. Notre première boîte, ce sont les crayons Brut Funer par 520. Et oui, on les trouve chez Amazon maintenant. Hop, voilà. Hop. Oh, c'est chiant, polystyrène. On s'en met partout. Voilà. Donc je l'ai voulu depuis un petit moment. Mais bon, ils étaient surtout sur AliExpress. Et donc, moi, je les ai trouvés donc sur Amazon. Et je les ai trouvés donc avec une promo dimanche. Alors je ne sais pas si la promo y est encore. Je vais regarder juste une seconde pour vous le dire. Ça se pipi, bouge. Alors j'avais eu 20 euros de réduction, mais je ne sais pas si la promo y est encore. Donc je vais vous dire ça tout de suite. J'aurais dû regarder avant. Hein. J'étais un peu bête de ne pas regarder avant. Oui, il y a encore une promo, mais elle est un petit peu plus basse. La promo est de 15 euros. Oh, pardon, je fais bouger. Et de 15 euros là, en ce moment. Donc, elle est de 15 euros jusqu'au 9 février, bah jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand vous verrez la vidéo, la promo, il sera peut-être pas, il y en aura peut-être une autre. Je suis désolée. Mais bon, il suffit de regarder. Hein. Il y a des coupons à côté du prix. Et il suffit de regarder. Alors, la bonne surprise sur Amazon, c'est que ils sont moins chers que sur AliExpress. Voilà. Deuxième surprise, cela s'en est pas une, c'est que vous les recevez beaucoup plus vite que sur AliExpress. Je les ai commandés donc dimanche et je les ai eus aujourd'hui, mercredi. Normalement, j'aurais dû les avoir hier, mais bon, il y a eu un petit retard, c'est pas grave.
Donc, je les ai eus aujourd'hui, mercredi. Donc, en 3 jours, j'ai reçu, voilà, Fifille, que j'ai reçue par Amazon également. Hein? Fifille. Donc, voilà. Bon, pour ceux qui ne les connaissent pas, bouge, 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 bouge. Je vais vous les montrer. Donc, moi, j'ai déjà les bruits de fumeur. Désolée, je suis essoufflée. Par 180. Donc, les 180 crêpes. Bah alors, t'allais tomber. T'as bu? Non, fais pas tomber les boîtes. Allez. J'ai déjà les bruits de funère, mais les 180 crayons. Et là, donc, il y en a 520 en tout. Voilà. Alors, on va ouvrir la première boîte. J'espère que vous me voyez toujours bien comme ça. Oui, vous ne me voyez pas moi, mais c'est moins grave de ne pas me voir. J'essaye pour l'instant de ne pas abîmer la boîte. Voilà. Un peu de place. Donc dans la boîte d'abord, ce que vous découvrez, c'est... Ah, là, il n'y en a qu'une. Ah oui, là j'en ai qu'une. Il y en a peut-être encore une. Non. L'autre, je crois que j'en avais deux. Je ne sais plus. Il faudrait que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 13 fois 21. Ouais, ça doit faire le compte. Hein. Voilà. Donc, c'est le pour faire votre nuancier. Voilà. Donc, le nuancier, je vais m'amuser. Hein. Et donc, je vais vous montrer les couleurs. Fifi, arrête d'embêter les toutous. Donc, voilà la première tablette. Rack, pardon. Le premier rack. Le deuxième rack. Du vert, en veux-tu, en voilà. Du bleu, pareil, en veux-tu, en voilà. Donc j'espère que vous les voyez bien. Là, j'ai tous les tons. Alors de violet, du plus clair au plus foncé. Alors là, ça nous fait déjà 1, 2, 3, 4, 5. 5 racks. Ici, j'ai tous les tons de marron et de beige. Là, j'ai encore des bleus, j'ai un argenté, il y a encore des tons parme. Là, j'ai un brillant parme. Un bleu. Non, non, si, viens pas me faire tomber les crayons. S'il te plaît, merci. Un parme brillant. Voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est comment les crayons y sont. Voilà, donc ils sont ronds. On retrouve le nom du crayon, de la couleur, pardon. Comme ici, c'est Capri Pearl Blue. Au bout, on retrouve. Alors, c'est écrit petit là, par contre, pour moi. C'est la référence, c'est une référence du crayon. Et là, Brut Funer derrière. Donc là, derrière, ouais, c'est une référence. Donc moi, il va me falloir ma loupe pour prendre le numéro de référence. Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés. Et les pointes sont
ronde et plate au bout. Ici, tous les gris, du plus clair au plus foncé jusqu'au noir. Là, j'ai encore d'autres verres que je n'avais pas dans les offres. Là, il y en a des métallisés. Voilà, c'est ça que je cherchais le nom tout à l'heure. Métallisés. Et ici, le reste des marrons. Voilà, donc vous voyez, il y a de quoi faire déjà avec ce premier. Donc là, ça nous fait, si j'ai bien compté, il y a 10 racks par carton. Voilà, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà pour le premier carton, la première boîte. Donc je referme. Ah, je vais remettre le... Voilà. Donc moi, ils ne vont pas rester dans les boîtes. Hein. Voilà, pour le premier. Et la deuxième, que voici. Donc pareil. Donc, j'ai ma feuille pour le nuancier. Alors, normalement, il n'y a pas de doublon. Hein. C'est vraiment, toutes les couleurs sont différentes. Voilà, là, j'ai des jaunes, j'ai un jaune fluo, blanc, des beiges. Donc, des rouges, du plus clair au plus foncé. Ici, j'ai les pastels. Là, j'ai d'autres bleus encore. Donc, je vais m'amuser, hein, c'est pour les mettre en... pour les ranger. Donc, encore des verts. Donc là, il y a un peu plus de métallisés. Ici, ce sont des métallisés. Là, j'ai encore des pastels. Voilà, ici, toute cette partie-là, ce sera des pastels. Là, j'ai 3 métallisés. Donc, il y a or. Non, c'est cuivre, celui-là, je crois. Voilà. Les autres verts. Ah, l'or, le voici. On y arrive. Voilà, donc l'or est là. Donc, pareil, encore des gris, des noirs. Là, j'ai encore, enfin, j'ai encore du métallisé, là, je crois, j'ai vu. Ouais, j'en ai un ici. Donc, c'est encore un or, mais plus clair. Et je crois que j'ai vu un autre métallisé ici. Voilà. Donc, ça m'a fait 10 racks. Alors, 1, 2,
froid. Quatre. Cinq. Six. Alors, je regarde un peu, là on voit un peu mieux. Oui, voilà. Donc, on a le numéro ici. Par exemple, là, c'est le 5, le 100. Ah, je vais arriver à le dire. Le 105 sur le 105. 105. Oh, 2, 3. Pas facile à dire hein, pour moi. Le 105 sur le 520. Voilà. Et c'est un bright eggplant. Voilà. Là, il marque 504. Donc, mais c'est le numéro qui est là, qui est bon. Bien sûr, je vais vous faire une vidéo en faisant des essais pour vous dire ce que j'en pense par rapport déjà à ceux que j'ai et par rapport aux autres crayons que j'ai. En faisant les nuanciers, déjà, je vais voir ce que ça donne. Les nuanciers, je vous les ferai en vidéo. Bon, vous n'allez pas avoir les 520, hein, vous couper la vidéo certainement par moment pour vous faire échapper à la longueur de la vidéo. Voilà. Et il faudra que je les range. Donc, c'est la deuxième partie de ma vidéo. Donc, ça, je vais le fermer pour pas qu'il y ait de bêtises. Voilà. Et la deuxième partie, c'est ceci. Alors, bon, j'ai un livre de coloriage que je vais vous montrer après. Je ne pensais pas qu'il était aussi grand. Alors, 260 par boîte. On ne trouve pas de trousse avec 260. Emplacement de crayon. On trouve 250 ou 200 ou 300. Voilà. Ou même plus, 400. Donc, j'ai pris 300. Mais, voyez, ils sont très grands. Mais bon, c'est pas un problème. Par rapport à mes autres trousses, je vais vous montrer une trousse. Voilà, ça c'est mes Faber-Castell. Et voilà. Il y a une différence de taille. Voyez, quand même. Mais bon, j'ai une trousse plus grande que ça. Mais qui sera plus petite que celle que j'ai prise. Voilà. Celle-là, c'est ma plus grande que j'ai en ce moment. Voilà. Vous voyez, bon là par contre il n'y a pas grande différence, donc ça va pas me gêner, la grandeur va pas me gêner. Voilà, donc je vous montre. Donc j'ai pris deux couleurs différentes, enfin deux motifs, les motifs sont pareils mais les couleurs sont différentes. Voilà, donc rose, rose et violette. Et la deuxième, elle est noire avec des roses rouges et roses. Dans le sens là, voilà. Donc, elles ont toutes les deux. Non, c'est dans ce sens là.
Elles ont toutes les deux, donc une pochette sur le devant. Elles ont toutes les deux une pochette à fermeture éclair derrière. Et à l'intérieur, voilà comment elles sont. Donc, ce sont des élastiques. C'est mon doigt. Où vous rangez, alors ça c'est des rangements de trois crayons. Vous mettez trois crayons d'un coup. Je passe mon petit doigt, il est moins gros. Celui-là, ça va aller. Hop, vous voyez? Vous mettez trois crayons d'un coup là, normalement. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, comme il y a 10 racks dans chaque, bon, il va me rester de la place, puisque là, c'est du 300. Il va me rester de la place. Et bon, je pense que sur ce qui restera comme place, je mettrai peut-être des gel pen. Voilà. Puisqu'ils sont dans des pots, je pense que je les mettrai avec. Pacha, sors de là. Non. Excusez-moi une seconde. Non. J'ai ridon dans le panier. Va chercher ton panier à toi. Va dans ton panier à toi. Oh, c'est une manie qui fait ça. J'ai fait dodo. Excusez-moi. Pacha voulait prendre le dodo à Géry. Et là, donc, c'est pareil. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Voilà. Et la petite pochette devant et la petite pochette fermeture éclair derrière. Donc, en plus j'ai pris cela. Et puis il y a une petite poignée, vous voyez. Si on veut, si je veux m'en aller, par exemple à l'hôpital, si je veux emmener mes coloriages. Mais bon, je pense pas. En plus, les 250 étaient plus chers que les 300. Donc, en fin de compte, c'était mieux que je prenne les 300. Donc, on les rangera ensemble. Pas aujourd'hui, bien sûr. On va faire ça cette semaine. Désolée, je suis très essoufflée. On va faire ça cette semaine. Non, pas chien. Excusez-moi. Mais alors? Oh, il n'aime pas qu'on l'embête quand il dort, mais il aime bien embêter les autres. Donc, on fera ça cette semaine, de les ranger ensemble dans les trousses et de faire les nuanciers. Voilà, comme ça, en même temps, vous verrez, je vous parlerai de la qualité des crayons en même temps. Voilà. Donc, voilà pour les crayons. Et je me suis repris un petit coloriage. Bon, je me suis dit, j'aime bien aussi les coloriages de Denise Kleck. Voilà. C'est un petit peu enfantin. Moi, j'avais eu son premier, c'est avec les gnomes. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais bouger un peu le téléphone et baisser pour que vous voyez bien. Oula, que mon téléphone tombe pas par contre. Excusez-moi. J'espère que le téléphone ne va pas tomber. Voilà, je pense que ça devrait aller. Donc voilà la couverture. Donc là c'est avec des petites fées. Alors, est-ce que vous voyez? Ah, comme ça c'est mieux, hein? Voilà, là vous verrez mieux. Donc c'est avec des petites fées, je disais.
Donc on a un dessin par page. La petite fée est là. Bon, c'est un peu spécial hein, comme dessin. Il faut aimer. Moi, j'aime. C'est pour ça que j'achète. Hein. Il y a beaucoup de détails, comme là, hein, vous voyez. Bon, celui-là, peut-être un peu moins. Parce qu'il y a, bon, il y a vraiment pas grand-chose à faire. Mais bon, pour faire un petit colo rapide. Voilà. Donc, le petit oiseau rigolo, là, tout frisé. Là, sur une grosse marguerite. Là, avec plein de fleurs à colorier. Alors là, on ne le voit pas tout de suite, mais il y a un petit toucan. Enfin, je pense que c'est un perroquet. C'est surtout des dessins avec beaucoup de détails, hein, ce Denis Klett. Alors, il y en a un troisième, je sais, si je ne me trompe pas, c'est avec des sirènes. Là, avec le cochon. Bon, celui-là, il y a du détail. Hein. Là, il y en a. Bon, les pages sont assez épaisses. C'est pas du papier Amazon. C'est du bon papier. Il y a toujours les petits oiseaux rigolos. On reconnaît son style de toute façon. Là, pareil. Hein. Le détail. Alors, vous voyez, les petites fleurs tout en détail. Alors là, j'ai regardé en deux, trois fois ce que c'était. C'est un petit chien. Voilà, c'est un petit chien en boule qui fait dodo. Mais sur le coup, la première fois, j'ai eu du mal à deviner ce que c'était. Enfin, moi, j'interprète ça comme un petit chien. On a encore notre petit cochon ici. Donc les dessins, les coloriages sont uniques, hein, ils ne sont pas en double dans le livre. Il y a encore beaucoup de détails ici. Toujours les oiseaux rigolos. Je vais commencer à prendre ma deuxième main. Il y en a, hein, il y a beaucoup, beaucoup de dessins à faire. Alors celui-là, je ne vous dis pas, hein, avec toutes les feuilles. Et il y en a encore, hein, pas mal. Là, vaut mieux le faire en crayon super bien taillé ou alors à la plume. Avec tous les coussins, les couvertures. Elle aime beaucoup les coussins et les couvertures, hein, j'ai l'impression.
Et toujours les coussins, les couvertures. Alors celui-là, là, il y en a pour un moment. Donc il y a des oiseaux. C'est tous des oiseaux, des fleurs. Un petit cochon. Ah, on va entendre du bruit, désolé, c'est Fifi qui est partie dans sa litière. Alors on arrive au bout, hein. Celui-là aussi est pas mal. Ça y est, elle est fofolle. Quand elle voit la litière, après elle est fofolle. Elle court comme une fofolle dans la maison. Et voilà, je crois qu'on est, on est arrivé au bout. Voilà. Alors, je vais vous redresser un peu parce que j'ai peur que le téléphone tombe. Voilà. Donc voilà. Vous avez vu, donc il y avait d'autres choses, mais c'était des choses pour chouchou. Donc là, celui, il les a déjà pris, c'est ses livres de lecture. Rien de très intéressant. voilà, celui-là. J'ai une sale tête. Il est tard. Ouais, donc c'était les livres de chouchou, donc rien d'intéressant vraiment. Donc voilà, vous avez vu aujourd'hui, donc les pour les bruits de fenêtre 520. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les liens de tout ce que je viens de vous présenter. Et nous, on va se retrouver dans la semaine pour la vidéo, on va dire, numéro 2. Pour pour la suite donc des crayons. On va les mettre dans les trousses. On va faire également les nuanciers. Désolée, je suis toujours essoufflée, c'est toujours pas passé. Et Fifi veut dire au revoir. Voilà. Fifi veut dire, venir dire au revoir. Oui, ma Fifi. Donc, on fera cette vidéo là dans la semaine sans problème. Voilà, mais il va y avoir du boulot. Ça, c'est sûr. Hein, ma Fifi, tu vas aider maman? Oui? Tu veux aider maman à faire les crayons? Oui. Bon, toi, tu ferais bonne chère. Hein? Tu en ferais envoyer balader tous les crayons à maman. Allez, je vous laisse. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude avec Fifi. À bientôt. Bisous, bisous.